C'est quoi cette lumière? Ça me fait... Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi sa voix? Ah, mais c'est toi qui fais le vieux. Ah, mais je me rappelle plus de sa voix. Voix de méchant. Super. Tu veux que j'aille revérifier? Non. Tu veux enfin arriver jusqu'ici? C'est sûrement ça. Ah, bah non, mais ouais, mais si vous passez les dialogues. Qui es-tu? Je suis ton père. Veux-tu savoir mon nom? Mais d'abord. Qui es-tu? Toi? Pardon? Moi, je m'appelle. Qui es-tu, toi? Oh non, tu commences à m'énerver, hein. T'es vraiment grossier. Tu t'identifies avec ton nom. Il paraît que t'es aussi au fait d'enjôler par la... Quoi? Il paraît que tu t'es aussi fait enjôler par la lumière blafarde de la lune. Comme Sangohan. Tu sais qui je suis alors? Tu viens de Terra? Tu ne sais vraiment rien de toi-même. On m'appelle Buzz l'éclair. Va, pars découvrir la véritable vie, la véritable image de Terra et ton secret. Attends! Il a disparu! Il s'est téléporté dans une harpe! Diane! Sûrement, oui! C'est moi, c'est bon, j'ai eu un doute! Daga, tu t'en es sorti? Ah putain! C'est bon, t'es pas morte! Ouais, j'ai rien et tout le monde va bien, bah, vu que tu demandes, hein! Allez, on y va! D'abord, on y va! Ah, très bien! Ah, oh, c'est par là. Okay. Alors, on a besoin de la solution. Hey, Makoto. Peut-être ça s'appelle Makoto, je suis désolé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. En effet. Une hypnorone! C'est comme une couronne, mais... Un peu plus loin, ouais. Un peu plus loin, les étoiles. Chacun son tour. Un dragonnet! C'est Norbert! On va l'appeler Norbert! C'est la cité des anciens! Dragonnet, alors ça, si c'est pas un casque pour Freja... Ratsi. Voilà, c'est un... C'est un bracelet. Un bracelet. Une bague. Non, c'est un bracelet. Ouais. À moins d'esquive magique, mais de l'esquive et de la psy. Ouais. Réduit de moitié... Ah oui, mais par contre... Réduit de moitié les effets de ténèbres. Cool. C'est pas dégueulasse. Broing. Un élixir incroyable, ça vaut un bal, c'est nul. Oh. Attends un peu. Comment ça se fait que toi aussi t'as une queue? Nous sommes sur la planète Vegeta. Et la même coupe de cheveux. Que va? Oh, mais même là on s'est attaqué quoi. Oula, il y a des embrouilles quoi. Pouette. Un œil de ses morts. Paf. Oh. Oh voilà, eux ça suffit comme, comme force de frappe, on a 2005 chacun. Ah ouais, quand même. Wow. C'est pas mal. Ectoculus. Dragon. Bon, vivre, ça fera pas beaucoup de dégâts normalement. Ça
ça permet de savoir à peu près à combien. Ouais, elle a pas tué beaucoup de dragons donc. Ça va faire 100, sûrement. Ah non! Ah oui, non, mais Brasilix, à un moment donné. Vu que Freya elle a perdu 1500 PV d'un coup, je me suis dit bon. Il doit avoir entre 10 et 12 000 PV. Ouais, je crois qu'on peut les one shot avec du poison, un truc comme ça. Ouais, parti! Une toile d'araignée! Je vais m'en passer. Oui, j'ai vu! Mais il y a plusieurs chemins donc. L'impatience. Attention! Oui, calme-toi! On se calme! Attends, sur le même étage il y avait un truc. Mais je pouvais pas y aller. Sur le même étage de où? De avant que tu prennes la toile pour descendre de récupérer le remède. D'accord, donc l'étage où on est arrivé. Ouais. Derrière, mais j'arrive pas à y aller, mais en fait, il y a un. Pousser un peu plus. Testons vivre tout de suite. Comme ça, c'est fait. Enfin, on l'a déjà fait, mais. Et les invocations qu'on a pas montré encore. Je vais baiser en tête. Pardon? Wouah! Voilà, on a tué deux dragons. Plus ou moins. Donc tu me disais quoi? Celle qui est en train d'apprendre. Ah bah de toute façon. Mais elle apprend pas elle apprend pas d'invocation. Ah oui, c'est vrai, on a eu d'accord, oui. Zantetsuken ça l'a fait taper. Zantetsu ça l'a fait taper comme Odin. C'est pas une invocation. Ça ne rentrera jamais. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble, ouais, au moins deux semaines. Faut regarder les vidéos. Quel connard. En vrai, si. Oui, je sais. Y'a plus qui met des pouces. J'aime bien moi, j'aime bien m'écouter. C'est faux. J'aime bien m'auto-félater en fait. Ah, la base. C'est un plaisir. C'est la base sur YouTube. Donc ici là. Ça doit être là, ouais. Ça doit être. Peut-être de l'autre côté là-bas. Ouais. Ah oui, mais de l'autre côté, oui, d'accord. Oh! Oh! Une mythe massue. Alors, une mythe massue, ça a l'air d'être de la merde, ça. Oui, c'est de la merde. On en a déjà. D'ailleurs, il fait quoi son bâton à elle? On peut pas frapper les gens pour les soigner? C'est pas celui-là, avec sanatorium? Mais non, on l'a enlevé. Élément offensif sacré, ok. Il est sacré mais il soigne pas. Sauter? Pourquoi sauter? Bah parce que pour passer de l'autre côté. Ah oh! Oh un coffre! Plastronix! C'est un plastron Pokémon. Putain, il y avait marqué bretelle, j'ai lu Becherel. Je suis fatigué. Ah ouais, allez. Tu as perdu un peu en force. Osef, ouais. J'ai perdu 2 points de force. Tu vois. T'en sais vraiment rien? Non. Je suis ta mère. Je suis ton père. Suis-moi si tu veux savoir. Si qui tu es vivre. Qui tu es vraiment? C'est Sarah Connor. Oh, attends un peu. C'est pas le fou. Alors, y'a pas un coffre caché quelque part ici? Non. Non, traverser le pont. Non mais. Ouvre la porte et tu pourras tout savoir. Hein? On ferait un jeu avec Nagui, entre autres. Mais non, je veux ce coffre en bas. Oh. Ça me rappelle FF7. Ouais. Ouais. Et qu'on va bien placer, ouais. Dans la grotte de Guy. Oui, c'est vrai, avec les araignées et tout ça. Oh, ça me rappelle FF7. Vous avez l'avantage. Il y avait les bonhommes citrouilles dans le manoir de Nibelheim. Vite fait. Hein. Oui, bon. Parce que c'est parce qu'ils volent et ils ont une tête chelou. La psychopoudre. Peut-être qu'ils ont un peu les mêmes attaques aussi. Mais c'est un peu du délit de faciès, hein.
En plus, tu dis ça, mais j'en ça fait 2 semaines que j'en tartine sur Quasi-Score, des trucs comme ça. Ils sont trop chiants. Enfin, ils sont moins chiants que dans le chat. Parce que tu spams les attaques. Et tiens, en plus, dans Quasi-Score, quand tu tapes, bah, t'empêches les ennemis d'attaquer. Ah, il était en défense, mais ça l'a tué après. Ça l'a tué à contre-coup. Mais c'est le tic de poison, quoi. Non, mais il était déjà. Il était à 0 PV, mais il était encore debout, en fait. Et il me silence à ce moment-là. Toujours debout. Petit bâtard. Ça s'appelle SDA, quoi. Oui. C'est le seigneur des arnaques. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. J'en doute pas. Non, mais je me suis dit Anno, escroc, faut que je trouve un truc. Ah yes, et Billy en plus il a été. Zombifié. Par contre, on a gagné une carte frite. Hein. Quoi? Ah oui. Gratos. Bah écoute. Hein. C'est pas zombie, c'est virus. Ah. Et, du coup, on n'a pas ce qu'il faut pour. D'accord que t'étais en train de descendre passage grotte de Guy, tout ça. Oui. Bah oui, okay. J'y suis d'ailleurs. Oui. Ah mais faut regarder le jeu, le temps de regarder la soluce. Hein. Non, mais si. Mais c'est pour voir à peu près. Minerva. Okay. Enfin, le fait. Je crois qu'on en avait déjà un en plus. C'est possible. Donc on a rien, on n'a pas de... Le remède ne marche pas sur ça, quoi. Non, c'est ils font un truc particulier. Mais de toute façon, Daga doit avoir un sort de soin pour le soigner. Ah, mais les cachets. Non, les cachets, c'est zombies. C'est pour zombies, oui. C'est le Zombrex. Contre poison, peut-être. Pas du tout. Eh bah, tant pis, Bibi, on t'aimait bien, mais démerde-toi. Je sais plus ce que c'est ça. Après, on a peut-être pas rangé comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être à la fin. Ah! Ou alors, faudra, dès qu'on en croise un autre, faudra essayer de les voler. Ouais. Il y a sûrement le. Ouais. Dommage. D'ailleurs, il y a quoi à voler là-dessus? Je sais pas, ils font trop mal pour que j'ai envie de les voler. Et c'est vrai qu'elle peut faire ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en vrai. En vrai avec les vacances, Into... Le farm Chocobo, Into... Into au classique, Into les travaux. Mm. Into le cassage d'écran. Enfin, le cassage d'écran. Voilà. Into le casque, le micro-casque qui pète. Mais oui. Donc ça c'est parce que t'as rasé sur vos classiques, c'est tout le monde le sait. Non, pas du tout, c'est que bah, à force de... En fait, tu sais, j'ai mon câble, une petite manette où tu peux gérer le son, muter, etc. Ah, oui. Et hop, à nouveau le câble qui allait vers le... Et ça a sectionné au niveau du câble. Et hop. Et de la petite manette. Et c'est dommage parce que c'est un vieux casque, un vieux Turtle Beach qui avait un son qui était propre, quoi. Non. Qui était même limite trop sensible. Pardon. Alors qu'il aurait pu se suicider. Pong. Elle le tue. Je crois qu'on peut les manger et apprendre la roulette. Non mais vraiment. C'est chiant. Bah, c'est elle... Ah non, c'est Didane, je dirais que c'est elle qui allait le lancer. Virus, ça doit être vaccin, je pense. C'est ta caprice. Merde! Non mais suicide-toi! STP. Ouais, ça va trop vite! Mais ça peut pas rater ça! Ah non, ça peut pas rater ça! Voilà. Faut déjà, elle va se cacher. Et paf! Ah, le barde. Absorbe. Ah. Sur Bibi. Et... Il y a un soin qui est parti, donc ça va. Ouais, c'est pour ça.
Putain, ce combat de boss. Il est beau son sceptre, n'empêche. Il est beau, hein. Ouais. Incroyable. Ouais. Avec les petits. Avec les petites lunettes là, tu sais. Ouais. Pire mec. Ah désolé Bibi hein. Oh, ça, de toute façon il est niveau 40, c'est bon. C'est bon. Ça fait l'XP aux autres. Mais non, je crois que des cachets j'en ai. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, si on range. Haut de saut. Ah. Vaccin, ça tu pensais? Oui, j'avais dit vaccin. Ah, vaccin. Oh. Allez. Ah, ça doit être virus alors. Un truc comme ça. Pourquoi on avait ces trucs là en haut? Parce qu'on n'avait pas essayé de jeter un truc avec Tarask à un moment. Il avait pas dit, vas-y, jette une mid-griffe ou un truc comme ça. Ah, oui, vert. Chez Ibsen. Où? On est là. Jusqu'ici, c'est l'endroit le plus artificiel qu'on ait vu. Enfin bon, le château d'Alexandrie, c'est un petit peu artificiel aussi, hein. Tout le monde fait semblant, tout le monde est des faux culs. Je sens aucune présence humaine. Je ne ressens aucun qui. Sois bienvenue chez toi. Hein? Ta vraie place est en ces lieux. Là où tu dois attendre pour te sacrifier. Pardon? C'est ça, c'est ici. Toka Koka. Branval. Ah, ils auraient pu encore plus faire une typo dégueulasse. On n'avait pas d'idée. Kudasai. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi cette histoire de sacrifice? Qu'est-ce que... Oh mon dieu! Doc Brown! Ah! Ah! Ce booty shot! Putain! L'œil de Sauron! Oui! C'est lui qui a tué les invoqueurs! Avec un K! Bah super. Daga, réveille-toi! Sans mon doigt, Daga! On sent, qu'est-ce qui se passe? C'est la gravité, elle est trop forte! Allez, c'est la planète Vegeta. Hein. Oh putain! Tu le sais John... rien. Putain. John Singe. En fait, tu es semblable à l'enfant qui vient de naître. Je ne sais pas qui parle. Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je vivant? Tu connais pas les réponses, mais tu cries pour prouver que tu existes, et que tu vis, comme Grégory le Marshall. Tu ne sais rien, John. Jean Singe. Il faut qu'elle se repose, sinon elle se reposera pas. Ah, coucou Zidane, je m'occupe de la princesse, trouve un endroit où elle puisse se reposer. Oui, mais attention, je préfère Steiner. Avant le, avant le deuxième coup, Athéna risque de décéder. Ouais, doit bien y avoir ça ici, un lit où on peut la poser par terre. D'accord, je te la confie. Trouvez le grand pop. Pour Athéna. Allez, de toute façon, on a une autre soigneuse qui a récup. Coucou le groupe. Et je crois qu'elle a soin max aussi. Coucou. Ah non, elle a vie, elle a Phoenix en plus, donc c'est parfait. Kiki, mon frère. Qu'est-ce qu'elle a en équipement? Ah, rien. Oui, on avait tout enlevé parce que je ne sais plus. Parce qu'on l'a pas pris depuis la session farm, je pense. Hypnoron, 1 de défense, 0 d'esquive. Mais non. Mais non, mais c'est pas forcément parce que c'est neutralise tout en bas que c'est le mieux. Mais en auto, là. Mais je vais pas mettre en auto si on a des trucs à apprendre, enfin, voyons. Mais en auto, et après, si on a des trucs à apprendre, on regarde. Ça va casser les couilles. Et voilà, ça change là. Voilà. Et alors, c'est pas grave. Et oui, mais on est... après, on est obligé de tout revérifier. Donc au final, c'est pareil. Sauf que en plus, on perd du temps. Mais non. Aussi. Parce que là, de toute façon, t'allais tout vérifier. Là, t'as les stats opti. Et en plus, s'il y a des trucs à apprendre, eh ben, on va les apprendre. De... Voilà. Parce qu'il n'y a pas une... Oui, voilà. Il y a des trucs qui peuvent être plus importants à apprendre que ce qu'ils nous ont mis. Et voilà. Ça a surtout enlevé les trucs qu'on était en train d'apprendre, mais qu'on avait enlevé à l'époque. Non. Ah si. Non. Ah si.
là, non. Regarde, le bon exemple, c'est le fifre. Oui, et on est revenu sur fifre et on l'a voilà, on l'a sélectionné pour... Aéromassue contre poison. Avec, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'avec ces conneries, on a des armes niveau 13. Mais il faut qu'on les équipe pour apprendre des trucs. C'est la première fois que tu fais auto. Arrête de me la faire à l'envers. Mais c'est pas le problème. Bah si, c'est, apparemment. C'est qu'à force de... Non, mais il n'y a pas quelque chose de mieux. Mais non. Il y a la première arme du jour, on n'a jamais appris le truc. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Là, tu te mets en auto c'est la faute et ensuite, de la solution. Non, tu comprends pas ce que je dis. Bien sûr que si. Ah, bah alors pourquoi tu polémiques? Mais parce que... voilà, regarde. Mais justement, tu vas le chercher. Avant, t'avais rien. Mais oui. Dragonnet, il s'est équipé automatiquement parce que de toute façon, t'as rien d'autre à apprendre et au niveau des stats, c'est mieux. Donc voilà. Ben, ça dépend des stats, en vrai. Regarde. Bah non. Bah si. Protection et esquive magique en... Bah ouais. Ouais, mais tu perds toute l'esquive. Alors, les attaques élémentaires du sacré, hein? Mais on sait pas ce qu'on va face. Mais on joue pas aux cartes. Mais non, mais elle a sidéral. Oui, bah c'est très bien, sidéral, faut l'apprendre. Bah oui, mais du coup, c'est bien d'avoir un truc qui booste au sacré. Par exemple. Enfin bon, bref. Mais non, opti, ça veut pas dire que c'est opti, opti. Mais non, c'était un truc qui... C'était pas pour booster le sacré, c'était un truc pour empêcher de prendre trop de dégâts de sacré, non? Mais augmente les attaques élémentaires. Sur un bracelet? Mais oui. Ah ouais? Ah. Ah ouais, bah complètement, oui. Alors, ça, auto, c'est pas forcément... C'est mais auto, mais c'est pas opti, en fait. J'ai jamais dit qu'auto, c'était la solution. J'ai dit que c'était le moyen le plus simple pour équiper le meilleur équipement à un instant T, et ensuite, tu ajustes pour, par rapport à ce que t'as... Ah, je suis pas d'accord. Par rapport aux compétences que t'as à apprendre et au truc que tu veux maxer. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas grave. Non, non, mais vas-y, fais tout en recherchant ce qui est le mieux, le plus opti, à la main, quoi. Ah, c'est pas ça, c'est que pour moi, là, c'était pas le meilleur équipement. Oui, complètement. Mais on est d'accord coup, sur ça. Au final... Oh mon dieu! Au final, c'est autant la merde que je vais faire autrement. C'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est bon, hein? Pourquoi ils se ressemblent tous? On est à Camino? Ils ont tous une queue, ils sont tous aussi blancs quoi? C'est la Bavière? Reviens en arrière. Pour prendre le coffre qu'on peut pas... Attends, attends. Celui-là, à gauche. Celui-là, là. Celui-là, là. Mais on peut pas d'abord discuter avec les gens avant d'aller à gauche et looter non, les coffres? Tu discuteras après. Oh là là. Là, tu as un... Voilà. Oh là là, on a même pas le droit de se balader quand on nous jette une solution à la lettre. Bah non, tant qu'à faire, autant récupérer. Mais on aurait pu le faire après. Ça pour ressembler à Tenchinan, super. Hein. Pas d'ordre, à part si le dialogue là il m'entraîne vers la fin du jeu tout de suite. Bah c'est de tout côté quoi. Non mais tu pouvais aller rester vers la gauche. Mais moi je voulais toujours aller, moi je voulais l'histoire. Je voulais écouter l'histoire parce que ça fait 8 épisodes on fait rien. Oui. Mais tu peux commencer par la gauche. Pourquoi aller directement vers la droite? C'est quoi ce conditionnement d'extrémiste? Mais moi j'ai jeté un dé dans ma tête. Ah d'accord. Et j'ai fait un 6 et les paires c'était à droite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que c'est... Il y a des mômes. À moitié à poil avec des queues et aussi blanc que moi. Nous n'avons pas d'âge. C'est ainsi que nous sommes conçus. Oh bordel, c'est des clones. Mais oui, j'ai dit on est à Camino. Ah. Voilà, voilà, trop occupé à essayer d'avoir raison. Écoute pas les blagues, super. Mais rien. Comment trigger? Eh, y a un coin pour se reposer par ici? Se reposer? Pourquoi faire? Oh mon dieu! Des macronistes! Quoi? Tu dors pas la nuit? C'est pas que j'ai sommeil, mais... La nuit? On est allé à gauche. C'est quoi, y a pas de lumière, c'est ça? C'est pas le moment pour les questions à deux balles! Y a une auberge ou des lits quelque part! Et si tu réponds encore à côté, je te mets une gifle! C'est cette porte. Par là? Merci. Et en fait, c'est les toilettes. C'est le pays des trolls. Mais ils dorment pas, mais ils ont des lits. Daga doit pouvoir se reposer ici. Non, mais peut-être c'est pour la déco. C'est bizarre. Les types d'ici sont amorphes. On dirait des apaisés.
Et puis j'ai un sale pressentiment. Obi-Wan. Mais bon, pour le moment, il faut que Daga se repose. Tous ces coffres. Mais... Ah là là là. Eh, mais t'as pas... T'as pas son mal Des médicaments, Wesh. Un vaccin. Y'a une boutique de médicaments par ici. Une pharmacie, quoi. Eh, mais d'habitude, ça marche quand je demande aux gens qui regardent. Pourquoi ils sont tous bizarres, ici? Ils sont comme Zidane. Ils ont une queue, mais ils ont pas de cerveau. Ouais, ils sont vraiment comme Zidane, en fait. S'il y avait de la culbuterre... Pardon, je pourrais faire une potion. Mais c'est quel genre de potion, ça? Mais il n'y en a pas. Petite culbuterbe. Ah oui. Ah, denisbronner.jpg. C'est toi, je te reconnais. Tu nous as emmenés dans ce drôle d'endroit, Edaga. Mais bon, t'as pas un médicament, wesh? Son réveil est pour bientôt. Comment tu sais ça, toi, d'abord? Où est-il? Il? Comment ça, il? De qui qu'est-ce que tu parles? Tu parles de Zidane, là? S'il te plaît, toi aussi. Mais je vais tous vous cramer. C'est dommage pour toi parce que Zidane et Daga ils sont amoureux. Ouais. T'as aucune chance. Dis-tu que je l'attends. Dans le laboratoire souterrain. Ça fait pas flipper du tout. Et sinon, pour qui tu me prends? Pourquoi je ferais ça d'abord? Je suis pas Mogpost, hein. Et attends! C'est vrai qu'il y a un peu la taille d'un Mog. Et pour qui qu'elle se prend d'abord? Je le ferai pas! Daga! Ah, princesse, je n'ai pas pu vous protéger. Oh, oui, Ça? Mon Zidane, tu n'es pas toi-même depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as un problème? Ah, il y a un coffre. Mais oui, il y a un coffre. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, vite, passe l'histoire, on veut le coffre. Ah non. Ah non, on avait qu'à aller à droite. Excuse, même moi, j'en sais rien. Mais j'ai rien compris, je comprends pas ce qui se passe, personne ne comprend. Pourquoi je me calme pas? Et puis cette lumière bleue? Pourquoi la lune? Pourquoi j'ai envie de me transformer en gorille géant? Ah, princesse, vous voilà réveillée. Vous avez pas un peu de café? Que s'est-il passé? Vous avez perdu connaissance si subitement? Ouais. J'ai fait un malaise vagal, me suis souvenu. De quoi? De mon cul. C'est pas une tempête qui a détruit ma Dain Sally, mais ça vous le saviez très bien, vous, dans le chat. Enfin, vous, dans les commentaires. Le vaisseau avec un œil, c'est lui qui l'a détruit. Elle se écoïse. Oui. C'est parce que, voilà. On est un peu comme des cousines, quoi. Rappelez-vous, quand Alexandrie a été détruite, cet œil était encore là. Il nous regardait, là, fièrement, avec des filles et des filles. Effectivement, il y avait comme un œil qui lançait des rayons dans le ciel, de l'un saut. Il y avait comme des lasers qui tombaient dans l'œil, effectivement. Effectivement, c'est un détail que j'avais remarqué, plus ou moins. Ouais, en effet. Ouais. J'ai vu la même chose, je crois, au concert de Jean-Michel Jarre. C'est ça, oui. Quand la station Mir s'est écroulée, oui, bien sûr. Ouais. Je me souviens, il était aussi à Haïfa, quand Bahamut s'est déchaîné. Pas quoi, Rabanne. Oui, l'œil était là, c'était sûrement le même vaisseau. Ah, mais comment? C'est lui qui aurait tué la reine Brané. Pépé! Ah! Pardonnez-moi, princesse. C'est lui qui aurait tué ta mère! C'est rien, de toute façon, j'avais déjà compris, hein. Et oui, le lieu de ma naissance, celui de mon enfance, ma mère naturelle, ma mère adoptive. Toutes ces pièces qui s'assemblent dans ma tête, tous m'ont été enlevés par ce vaisseau. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais de quoi ça s'agit? Mais c'est Sovereign! J'espère que vous allez bien, vous, avec vos écouteurs. Oui, merci. J'écoute sur les enceintes. Heureusement pour toi. Oui, mais pas pour les voisins. Te lève pas, c'est trop tôt, repose-toi. Ch'tong. Coup de massue. Ah, mais vous non plus, vous avez pas l'air bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, ce n'est rien. Nous sommes fatigués à cause de l'altitude. Et on est sous la terre, techniquement, là. Enfin, on sait pas. Non, on sait pas. C'est vrai? Oui, l'altitude, oulala, oh, c'est dur. Gigi.
tu vas, Tutu? Oh mon Dieu, ça. La drôle de fille, celle qui nous a amenés ici, elle a encore dit quelque chose de bizarre. Elle a dit qu'elle t'attendait dans un laboratoire souterrain de Raccoon City. Mais ça me plaît pas trop. Oh, ça plaît à personne. Dunan? Tu pourrais répondre quand je te parle? Exterminate!